Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors la question principale les amis, c'est comment améliorer votre production de tomates dans une serre? Et surtout quand vous ne pouvez pas la bouger, vous ne pouvez pas bouger votre serre, soit elle est trop lourde, soit c'est une serre en verre et puis forcément le démontage, remontage c'est un boulot fastidieux, hein. Alors les amis, je vous propose une solution très utile, car vous savez bien que votre terre s'épuise et chaque légume développe des je sais pas si on pourrait appeler ça des molécules, mais des choses néfastes, et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la rotation des légumes. Alors quelle est la technique qui permet justement de ne pas déplacer sa serre? Eh bien, bien sûr, vous savez, c'est qu'il faut renouveler la terre. Alors, à chaque emplacement de vos pieds de tomates, eh bien, quand on ne peut pas trop changer la place de la serre, eh bien, vous allez faire cette technique qui est super importante et vous allez toujours gagner en production au niveau de vos tomates. Alors tout simplement, vous allez creuser à l'emplacement de vos tomates. Alors vous allez faire un bon trou, en général un petit peu plus large, on va dire 25 cm sur 20, enfin un cercle de 25 cm à peu près sur 25 cm de profondeur. Voilà, tout simplement. Et vous allez mettre votre pied de tomate, mais au lieu, c'est ça le plus important, au lieu de remettre cette terre là, vous allez prendre de l'autre terre. Vous allez prendre de la terre, vous allez prendre de la terre que vous allez de votre jardin, que vous allez mélanger avec moitié fumier de cheval et moitié terre de votre jardin. D'ailleurs, voilà, et comme ça, vous avez renouvelé la terre sur 25 cm, 25 sur 25, quoi, quasiment, hein, et vous allez implanter tous vos tomates en renouvelant la terre tout autour, et vous allez garder comme ça la production. Et surtout, veillez bien, moitié fumier de cheval, moitié terre de jardin. Donc vous allez renouveler votre terre, voilà, en mettant... Vous voyez, tout simplement. Alors, il y en a qui vont choisir la technique, les amis. Il y en a qui vont choisir la technique du seau, c'est-à-dire si vous avez la possibilité de récupérer une vingtaine, une trentaine de seaux, que vous allez percer le fond, vous allez découper le fond. Et vous allez placer vos seaux percés carrément, en retirant carrément le fond. Il faut vraiment retirer le fond, hein, et implanter tous vos seaux, hein, tous les 75 cm quasiment. Et vous allez remplir votre seau. Vous allez creuser dans votre serre et vous allez implanter vos seaux complètement percés. Et vous allez, avec votre brouette, faire moitié terre de jardin et moitié fumier de cheval, et vous allez avoir une super belle production. Et en plus, ça va contenir l'humidité à l'endroit de votre pied, vu qu'il sera entouré de plastique. Mais surtout, on retire le fond. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Kiki? Qu'est-ce qui se passe? Bon les amis, j'espère que ça pourra vous aider, parce que c'est quelque chose de super utile, ce que je vous dis. Voilà, je vous embête plus les amis, excusez-moi, il y a du vent. Donc n'oubliez pas le trou avec la terre de jardin et le fumier. Bon bah ça c'est à faire bien sûr au mois de mai, hein.